Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif un petit peu sportif aujourd'hui. Pourtant, je me suis levée à 5 heures, hein, mais on y arrive. Nous sommes le lundi 11 juillet 2022, oui, la veille du 12. Et l'émission de ce soir est titrée « Comme une charade ». Quand une motion de censure passe par Versailles pour faire son auto-da-fé. Je vous ai mis un petit peu de suspense dans le titre. J'espère ne pas trop vous avoir perdu ou fichu une migraine. C'est tout simplement dû au fait que j'ai pas pu choisir. Il y a tellement d'informations en ce moment que fallait choisir et j'avais pas envie de choisir. Alors, vous l'aurez compris, il y aura la motion de censure, il y aura la fumisterie destructrice de l'autre machin à Versailles ce matin, avant d'aller voir l'ambassade du Japon. Je dis ça, je dis rien. Et bien sûr, nous terminerons avec les Uberfies. Et oui, c'est copieux, j'ai pas réussi à choisir, on va tout faire, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Et bien sûr, avant de commencer, je remercie encore, vous voyez, j'ai été vraiment gâtée. Alors, c'est celui-ci qui est arrivé ensuite, voilà. Donc, celui-ci est arrivé samedi en plus. Vous m'impressionnez, je vous exprime toute ma gratitude. C'est la première fois que je suis aussi gâtée, en fait. Voilà, j'ai pas l'habitude de fêter mon anniversaire. Généralement, c'est un jour que j'évite. Déjà parce que c'est l'été, donc généralement tout le monde il est barré, il n'y a personne de disponible, et à chaque fois c'est une période de ma vie dans l'année qui est très chargée en changement de vie, en grosses décisions, plein de taf, plein d'émotions, plein de trucs à faire, résultat des courses. La dernière chose dont j'ai envie de me soucier, c'est mon anniversaire. Chaque fois ça me fait le truc. Et cette année, il y a encore des grosses choses en cours. Donc, merci. Grâce à vous, cette année, j'ai vraiment eu un anniversaire. Alors, que je me trompe pas dans mes papiers, parce que du coup, il y a eu une partie ce matin, une partie cet après-midi. Comme je me suis levée à 5 heures ce matin, ouais, 5 heures, j'ai quand même réussi à être en retard. Bref. Je vous ai déjà parlé de la motion de censure, je vous ai déjà parlé de la fumisterie d'apparence théâtralisée de politique politicienne dans une émission précédente, et je ne suis pas la seule à avoir évoqué le sujet. Ce que j'ai appris ce matin, du coup, parce que j'ai eu le temps de checker quelques chaînes d'information, m'a laissé, j'avoue... un arrière-goût. Voilà, on va dire ça. En fait, donc il y a la présentation, il y a la Mathilde Panot, d'ailleurs j'ai vu son discours. Je ne suis pas spécialement... Bref, mais je reconnais que c'était bien écrit, c'était très argumenté, c'était véridique. Et du coup, moi qui n'ai pas trop l'habitude de regarder, de rester devant les discours politiques, parce que franchement, je ne supporte plus, le sien, je l'ai écouté jusqu'au bout. Par contre, après, il y a eu Elisabeth Borne. Et là, dès la première phrase, c'était dégoulinant d'hypocrisie, de foutage de gueule, le tout mis dans de la guimauve bien dégoulinante. Ah, grosse envie de déclencher la tête, la machine à mettre des claques. Voilà, donc quand je commence à avoir très envie d'appuyer sur le bouton on de la machine à filer des claques, c'est qu'il est temps de zapper. Voilà, donc... c'était pas ça le plus important. En fait, ce matin, j'ai appris que, voilà, il y avait le côté devant tout le monde, machin, gna. L'hémicycle était quand même très désempli. Ça en dit long, hein. Ok. Eh bien, en fait, la motion de censure, il était prévu qu'elle soit votée dans une petite, petite salle à l'écart, hors des yeux. Ça, c'était ce matin.
Étant donné qu'ils étaient tous dans l'hémicycle tout à l'heure et que j'ai zappé parce que là-bas, je... Ouf, je peux pas. J'ai pas suivi la suite, mais de toute façon, on connaît le résultat. Voilà, hein, tout le monde les connaît déjà, le résultat, puisqu'il a été annoncé en même temps que la motion de censure. Mais ça se tient aujourd'hui et le fait de mettre le veto, bon, pour une raison que j'ai, vous n'avez pas besoin de voilà, tout à fait organisationnelle et non intéressante, hein, ça m'a donné l'occasion de m'apercevoir qu'en fait, il y avait trois choses majeures pile le même jour. On m'avait dit que l'été allait être chaud, bien chaud, mais comme beaucoup et beaucoup d'entre vous, j'en ai ras-le-bol d'attendre, hein, voilà. Donc, avec l'impression qu'il n'y a rien qui arrive, qu'il n'y a rien qui avance, etc. Et là, je me suis surprise aujourd'hui parce que j'avais le choix entre trois sujets majeurs le même jour. Et que n'arrivant pas à choisir, je me suis permis une petite charade pour vous laisser le suspense. Mais là, c'est au-delà du foutage de machin chose parce que je me suis déjà exprimée dessus. Mais de cantonner les votes à une petite salle à côté que personne ne voit, après avoir fait semblant d'être démocratique dans l'hémicycle, ben, ça en dit long sur ce qu'est réellement notre démocratie. Enfin, notre supposée démocratie, parce que vous savez bien que nous ne sommes plus en démocratie. Mais là, pour le coup, ça en dit long. Et ben, bon, le point positif, hein, c'est que c'est tellement grossièrement non démocratique, théâtralisé, négocié dans notre dos et à notre détriment, que même les endormis, enfin franchement, à moins d'avoir un électroencéphalogramme plat, il y a un moment donné, tu piges, quoi. C'est pas possible de pas piger. Il n'y a que ceux qui font partie du système qui continuent de dire que non. C'est pas possible autrement. Et elle a très bien géré ses formulations, Mathilde Panot, dans son discours. Je tiens à y revenir quand même. Parce qu'en fait, elle a listé tout ce qu'il y avait chez Borne d'inchangé et de menti en disant « Vous ne votez pas la motion de censure. » Vous êtes d'accord avec ça. Vous ne votez pas la motion de censure, vous êtes d'accord avec ça. Un peu comme une anaphore. C'était très percutant, c'était bien pensé, intelligemment fait, intelligemment formulé. Et elle a terminé avec cette phrase-ci, « Chers collègues, choisissez. » Et je vous avais alerté, justement, dans la précédente émission, qui avait été consacrée à cette motion de censure, en tout cas dans laquelle j'avais parlé de cette motion de censure, en vous disant, en interpellant à travers cette émission, nos députés. Parce que j'ai bien dit, ceux qui s'abstiendront, on aura les noms. Et j'invite à chacun d'entre vous de vérifier auprès de votre député qui est censé vous représenter. Au lieu de vous vendre pour toucher, de vous préciser s'il a voté contre ou s'il s'est abstenu. En tout cas, je vous y invite. Nous passons au deuxième sujet. Alors là, le même jour que la motion de censure, le même jour. Alors, si vous voulez, comment dire, avoir le discours, les formulations, la ligne directrice littéraire d'un média assurément pro-Macron qui vous déclenche un truc avec la langue, mais que faut pas dire. Voilà. C'est l'Express. Mais alors, plus tartinant, je n'en vois pas.
Alors là, c'est vraiment mais tartinant de chez tartinant. Très, 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 très tartinant. Alors, officiellement, ce machin s'appelle donc Choose Friends. C'est le cinquième. Et l'Express dit que décidément, notre président Macron aime bien le cadre de Versailles. Ben non, du con. Il se planque à la lanterne tellement il a peur qu'on aille le chercher avec les fourches. Il avait même pas 5 minutes à pied à faire. Ah là 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 là. Et donc, c'est la messe, la kermesse sous les ors de Louis XIV, hein, genre le gars il l'est. Enfin bref. Pour le dire poliment, c'est son occasion personnelle officielle de vendre la France, de brader la France, de déréglementer et de supprimer des lois et de mettre en place des lois scélérates pour des entreprises qui, évidemment, lui graissent la patte. Et pour ceux qui viendraient à dire que je cherche à faire de la provocation, que je diffame et que je calomnie, il y a les Uber Files. C'est la troisième partie. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà prévu de m'emmerder, qui regardent les émissions rien que pour essayer de trouver un truc à se mettre sous la dent parce que ce sont eux les criminels et que ils essayent de me charger moi pour pas qu'on s'en aperçoive. Voilà. Ça, c'est dit. Et donc, le même jour où il y a cette théâtralisation insultante de la motion de censure pseudo-démocratique au Palais Bourbon, le type qui a toujours pas été mis hors d'état de nuire continue de détruire la France, de nous vendre, de nous brader et de se faire payer. Je vous invite à bien apprécier le comparatif entre les deux. D'autant plus que le comparatif aujourd'hui, il est double. Parce que en plus, il y a les Uber Files. En plus, il y a les Uber Files. Les trois le même jour. Je trouve ça extrêmement révélateur. C'est pour ça que j'ai pas pu choisir. Les trois vont ensemble. Les trois se mettent en lumière les uns les autres. Et le trois cumulé le même jour, cela en dit long sur la France. Pas celle de l'autre machin. Pas la nôtre. Ah si, il y a quand même une chose que je voudrais vous préciser. Pardon, il faut que je fasse le truc en le disant poliment. Très, très poliment. Parce que du coup, en ce qui concerne les Uber Files, j'ai entendu ça donc ce matin et j'ai surtout relevé, c'était sur CNews, 6h35, le spécialiste de CNews qui, étant obligé d'en parler, ne pouvant y couper étant le spécialiste attitré, s'est retrouvé pour parler d'un cas extrêmement grave de corruption et de modification de loi pour. Le type en est arrivé, pour ne pas fâcher Macron, à quasiment faire de la poésie. Non, sérieux, je vous assure, vous remettez les images de 6h35 ce matin, CNews. Le type parlait de délicatesse. De délicatesse. Dans un dossier d'une gravissime corruption lourde de conséquences, allant jusqu'à endommager nos lois, à faire passer des amendements arrangeants. C'est qualifié par ce type, soi-disant spécialiste et payé pour, de délicatesse.
Elle nous a quasiment fait un poème ce matin. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, ça pue beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a autre chose que j'ai entendu, mais j'étais en train de faire autre chose et j'ai pas eu le temps de noter et j'ai pas retrouvé depuis. Et c'est ce pourquoi j'ai particulièrement relevé cette information et que je ne voulais pas m'en séparer, que je voulais vraiment vous donner les trois, bien que je n'ai pas réussi à retrouver a posteriori cette information. Et si vous la retrouvez, tant mieux, je la veux bien, parce que là, c'est historique. Ça concerne les Uberfiles. Donc, c'était pendant la période où Macron était le soi-disant ministre de l'économie. Comprenez, le ministre à vendre mafieusement à la France, à faire je ne sais comment plier premiers ministres et autres hauts fonctionnaires de l'État français, dont on se demande comment et combien, évidemment, pour faire passer la pilule Uber. Et, bon, le Guardian a reçu des milliers de fichiers, de dossiers, qui ont été, divulgués. Ensuite, c'est un consortium de journalistes qui s'occupe des gros dossiers, dont fait partie le journal Le Monde, qui s'en sont occupés. Et le truc qui m'a vraiment, mise en appétit, c'est d'apprendre, mais ça, j'ai pas réussi à le retrouver depuis, c'est pour ça que je suis très curieuse si vous avez de pouvoir récupérer cette partie, comme quoi dans les dossiers de Uberfiles étaient compris des preuves de la participation directe de la criminalité journalistique du journal Le Monde, en commandant des enquêtes arrangeantes pour expliquer que c'était justifié et organiser la construction d'une opinion qui ne soit pas défavorable, alors que c'est de l'escroquerie en or massif au plus haut sommet de l'État, de la part d'un type qui à l'époque n'avait pas l'immunité présidentielle et qui au jour d'aujourd'hui non seulement n'est pas en tôle mais va se planquer au pavillon de la lanterne. Et là, du coup, ça a matché. Ça a matché parce que lorsque vous avez un journal comme le journal Le Monde, qui, sachant très bien sa part criminelle de participation au moment des faits, quand même publie les Uberfiles, et ben ça s'appelle un auto-da-fé. Et là où ça a encore fait plus tilt pour moi, c'est que il y a, je ne sais même plus quand d'ailleurs, au moins six mois, on m'avait demandé de vous parler en médiumnité de la suite des événements pour le milieu journalistique. Si je crois que c'était l'avenir de la presse ou un truc comme ça, on m'avait demandé de faire une émission dessus, et on m'avait dit qu'il allait y avoir un retournement de veste. Alors évidemment, je ne parle pas de BFM et de CNews, hein, je parle de la presse écrite, qu'il allait y avoir un retournement de veste et que ils allaient faire leur auto-da-fé. Bon, je vous laisse vérifier ce que ça veut dire dans le dictionnaire, c'est quand même pas compliqué à comprendre au vu du contexte, mais j'avoue que je n'y croyais absolument pas. Donc, comme quoi, vous voyez, il m'arrive même en tant que médium de réceptionner des informations qui ne peuvent pas être inventées par moi, puisque même moi, j'y crois pas. Voilà. Donc, il y a eu ça, et cela me semblait totalement utopique et ayant vocation à rester utopique. Voilà. Tandis que là, et je suis très au regret de ne pas avoir pu retrouver exactement ce moment, pour vous le montrer dans cette émission, mais je l'ai bien entendu parce que ça m'a tellement que forcément je ne peux pas l'avoir inventé, étant donné qu'en plus j'y croyais pas à l'auto-da-fé. Bon, mais là pour le coup, le journal Le Monde qui commence à faire preuve de suffisamment d'honnêteté pour publier les Uberfiles alors qu'ils ont eux-mêmes été mêlés à un moment donné,
et de manière directe et criminelle, ça commence à ressembler à un auto-da-fé, non? Et si le journal Le Monde commence à faire son auto-da-fé, qu'attendent les autres? Alors, allez, je vais pas vous le faire à la Nina. Nina, ses propres expressions, je les lui laisse, elles me font suffisamment bien rire. Mais ce sont les siennes, je ne vais pas. Je te les laisse, Nina. La chose, voilà. Ça devient compliqué de rester poli, je vous jure. Et pour le moins, un beau se planquer à la lanterne sous les ordres de Louis XIV, il ferait mieux de réfléchir à l'époque Louis XVI, quoi. Voilà. Je peux pas être plus clair que ça. Le souci qui se pose à moi, c'est que pendant tout le temps qu'il reste en apparence en poste, eh ben, il continue de faire signer des fausses lois, il continue d'empêcher que l'on foute en taule ses petits camarades criminels organisés de sa bande, il empêche que l'on puisse soigner les victimes puisque lui, il préfère qu'elles soient empoisonnées et tuées, etc., etc., etc. Et concernant la crise énergétique avec laquelle ils essayent de foutre la peur à tout le monde, c'est le résultat de sa connerie. De sa connerie faite exprès, puisque de toute façon, que le pays se retrouve embêté, voire à genoux de ce qu'ils essayent de dire, c'est le but. C'est pas une conséquence malheureuse. C'est l'objectif. D'ailleurs, grandement menti, artificiellement monté en épingle, comme le reste. Vous voulez que la guerre en Ukraine s'arrête? Arrêtez Macron. Vous voulez que la pandémie elle s'arrête? Arrêtez Macron. Vous voulez pouvoir accéder normalement aux soins au lieu d'être rejeté à cause des lois scélérates du machin? Arrêtez Macron. Vous voulez éviter que l'on soit totalement à genoux économiquement et qu'on mette 3 générations à remonter la pente? Arrêtez Macron. Vous voulez faire tomber la pédocriminalité en France? Arrêtez Macron. Parce qu'à travers lui, c'est le Brigitte. Et le Béchu, c'est la suite. Vaut mieux pas que j'en dise plus. Donc, on va passer à la partie médiumnité, hein, voilà. Oups, j'ai encore dépassé. Désolée. Alors, en médiumnité, la médiumnité étant une forme optimisée de communication, ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas mes propos, simplement moi qui en respecte l'intégrité et l'intégralité, je le répète. On y va. Ridicule. Ils sont ridicules. Ils paieront devant l'histoire. Cette chape de plomb disparaît, se désagrège. Ils sont finis. Plus que quelques dates. Ils seront vite remplacés et en tôle. Le Darmanin et son prédécesseur, le Lallemand. Alors, je tiens à préciser pour le Lallemand, j'attire votre attention si vous faites partie des personnes qui sont vraiment dans la sécurité intérieure du pays et pas dans le système mafieux du Macron le Lallemand a prévu de se barrer. Ouais, il a prévu de se barrer pour pas finir en tôle où on lui ferait ce qu'il mérite depuis longtemps qu'on lui fasse. Et s'il ne survit pas, c'est pas moi que ça va déranger. Je préviens que le Lallemand
après tout ce dont il est pénalement coupable dans ce pays, a prévu de profiter de la fin de sa fonction pour se barrer. Donc merci d'empêcher qu'il se barre pour le foutre en tôle. Merci. On commence par cela. Je vous relis la partie médiumnité. Ridicule, ils sont ridicules. Ils paieront devant l'histoire. Cette chape de plomb disparaît, se désagrège. Ils sont finis, plus que quelques dates. Ils seront vite remplacés et en tôle. Le Darmanin et son prédécesseur, le Lallemand, avec, je précise, l'alerte comme quoi il a prévu de se barrer de la France pour ne pas subir en prison ce qu'il a fait subir aux manifestants. On commence par cela. Et nous passons à la réponse à vos questions. Alors du coup, il faut que je remette en route l'autre téléphone parce que j'ai une question qui est sur le téléphone et j'ai dû changer de téléphone. Et pendant que j'y pense, il y a ça aussi. J'essayais une nouvelle installation ce soir, mais elle m'a bien énervée. Voilà. Eh bien, ce sera suffisant comme ça. Et je vous récupère la question qui est en fait la troisième. Allez. Oh, ce qu'il est lent, celui-là. Bon sens qu'il est lent. Bidip. Allez, j'espère que ça y est sur celui-ci. Oh, putain. Il est quelle heure? 35? Bon, bah, le temps qu'il se mette à jour, je pense que c'est foutu pour la troisième question. Alors, nous passons à la dernière partie de l'émission, la réponse à vos questions, avec une première question de Christiane. Est-ce que toutes les futures motions de censure à venir auront le même résultat ou bien finiront-elles par porter leurs fruits? Alors, je rappelle, Christiane, que bien que j'étais concentrée sur autre chose et que je ne peux pas être concentrée sur deux choses en même temps, je peux faire deux choses en même temps, mais pas être concentrée sur deux choses en même temps. On m'a bien dit quand même deux motions de censure. Deux. Donc, c'est pas, il ne va pas y en avoir non plus une litanie, hein. C'est pas tous les quatre matins qu'il y aura une motion de censure. Vu en plus le ridicule dans lequel ils se sont mis et vu à quel point on le leur reprochera et on le leur rappellera, ils y réfléchiront avant de recommencer une prochaine fois. En tout cas, comment le dire poliment? Si c'est à nouveau du foutage de machin chose, ils ne le feront pas. Voilà. Donc, on m'a montré deux motions de censure, dont la première, bon, vous savez ce que j'en pense, et ce qui s'est fait aujourd'hui le prouve, comme quoi j'avais raison. Mais Christiane, ça ne va pas être une litanie de motions de censure, juste deux. Et en ce qui concerne ta question, lorsque j'en ai pris connaissance, il m'a été dit que ça allait se jouer de manière indirecte. Donc, c'est pas tellement l'émotion de censure en elle-même, mais tout ce qui s'agrège autour, puisqu'ils sont tellement courageux et honnêtes que quand ils se bougent les fesses, c'est en dernier. Il n'y a pas de manière plus polie de le préciser. Et je tiens à partager avec vous, du coup, à l'occasion de ta question, Christiane, quelque chose qui m'a été dit il y a à peu près une semaine maintenant, peut-être un peu plus puisqu'on est lundi, comme quoi l'utilité de ce changement d'Assemblée nationale allait se concrétiser, je te cite, en une eau de boudin intenable. Qu'en fait, Macron finit par céder parce que ça devient une eau de boudin intenable.
Évidemment, j'ai demandé comment est-ce qu'on arrive au stade de l'eau de boudin intenable, vu que le LR et le RN sont aujourd'hui en train de faire le cadeau d'une motion de censure qui avorte lamentablement à Macron. Et bien là, il m'a été précisé les grèves. Les grèves. Et ça tombe bien. Le 11, c'est la veille du 12. Donc, comment le dire? Je vous invite, en tout cas moi je le ferai, et si vous suivez cette émission, ben forcément vous en aurez des infos parce que je compte bien le faire. Je vais suivre de très près les grèves qui débutent demain parce qu'elles sont censées engendrer par effet domino l'eau de boudin intenable de l'Assemblée nationale pour Macron. C'est dans cet ordre-là, et donc de manière indirecte, que cela pourra être utile. J'espère, Christiane, que ma réponse aura été suffisamment claire. Yves, va-t-on copier la Bulgarie pour la censure? Non, il n'y a pas besoin de copier qui que ce soit. Hein. Bah, depuis le temps qu'on subit Macron, on peut dire que maintenant, il y a la version française. Donc, ça reste français. Voilà. Dixit, la nana dont ils essayent de faire supprimer l'émission. Parce que l'utilisation et l'instrumentalisation des copinages locaux d'Angers a pour but au final non seulement de me chasser pour laisser la criminalité angevine, et je ne parle pas de la totalité de la ville d'Angers, j'en ai marre que mes propos soient extrapolés. Quand je parle de Biden et compagnie, je parle de la mauvaise partie des États-Unis. Le système béchu, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle à Angers même, c'est-à-dire que sur Angers, toute cette smala là a pour nom, de la part des Angevins, le système béchu. Ok ? Donc, le type qui est au gouvernement, qui est le nouveau meilleur ami à Macron. Voilà, d'accord ? Donc, le but est non seulement de me chasser pour que la criminalité locale, où tout le monde y se tient par la barbichette, y compris du côté des enquêtes et du côté de la justice, puisse continuer, que le système béchu ne soit pas dérangé au lieu de tomber et d'être fini et de finir en tôle. Et en plus, ça arrange Macron. Ben oui, parce qu'on lui fait fermer le son. C'est toujours en cours, hein. C'est toujours en cours. Donc, ne me faites pas dire et n'allez pas expliquer que je suis anti-Angers ou que j'en veux à tous les habitants d'Angers. C'est faux. Je l'ai dit et suffisamment répété dans cette émission, Angers mérite mieux. Quand je dis des choses, c'est par rapport à la mauvaise partie d'Angers, des personnes qui, même sur place, sont appelées le système béchu. C'est de cela que je parle. Quand je parle d'Angers, je parle de la mauvaise partie d'Angers, je ne parle pas de la totalité de la ville d'Angers. Qui mérite mieux ? Donc, je te confirme, Yves, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher la Bulgarie. Il y a tout ce qu'il faut en France. Voilà. À Angers, ce n'est pas le système à Baudin, c'est le système à Béchu. Et ça ne vient pas de moi. Ce sont les gens d'Angers eux-mêmes qui appellent ça le système Béchu. Ça, c'est dit. Donc, haut les cœurs, on continue le combat, on continue de résister et on arrive à les faire chasser. Voilà. Non, mais. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain numéro de médiumisation en direct et à 19h. Et ce sera jour de grève. Nous verrons comment ça commence.
parce que c'est pas la façon dont ça commence qui sera forcément la manière dont ça se termine, mais ce sera révélateur, je pense, à étudier et surtout l'occasion en médiumnité de faire un travail dessus dès le premier jour pour voir comment ça évolue. J'ai accompagné le mouvement des Gilets jaunes, et j'ai commencé à accompagner le mouvement des Gilets jaunes alors qu'il ne s'appelait même pas encore les Gilets jaunes, rien qu'avec le prix du carburant, puisque j'avais consacré une émission à la damoiselle qui avait été la lanceuse d'alerte, qui avait été à l'origine donc du mouvement des Gilets jaunes. Et donc ça s'appelait même pas encore les Gilets jaunes quand j'ai commencé à relayer. Et je pense que là, c'est une chose intéressante à relayer et du coup, ça commence demain. Donc, nous allons nous y intéresser dès demain. Alors, rendez-vous demain en direct et à 19h. Et sur ce, là, tout de suite, maintenant, je vous souhaite une belle soirée.